Premièrement, c'est que la Bible dit dans Éphésiens 6. Éphésiens 6, parole vivante. La Bible déclare ceci. Car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre des simples ennemis mortels. Écoutez, mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles. Nous combattons contre les dictateurs invisibles. Soulignez cela. Quel est le rôle d'un dictateur? Ses lois, dirigé avec méchanceté. Paul est en train de dire ici, il dit notre combat est contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régler notre monde. Est-ce que vous avez entendu cela? Qui m'a suivi? La Bible dit nous combattons contre les dictateurs invisibles. Quel est le rôle de ces dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler, régler, régir notre monde? Donc, le rôle de ces dictateurs-là, ils veulent régir notre monde avec la dictature. Fermons la parenthèse, je vais revenir. Quand nous regardons, là nous venons de lire parole vivante. Nous combattons la légion des esprits démoniaques, les sphères surnaturelles, véritables agents du quartier général du mal. Mais écoutez ce que parole de vie dit. Mais c'est contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les esprits mauvais qui habitent entre les ciels et la terre. Ces esprits habitent entre les ciels et la terre. Parole vivante nous dit, sont des dictateurs invisibles. Leur rôle est de contrôler notre monde, de dicter notre monde. Voilà pourquoi ils ont refusé d'habiter sur la terre. Ils sont partis au deuxième ciel. Parce que toutes les bénédictions, ton passé, toute grâce excellente viennent d'en haut. Nous sommes bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes. Mais le troisième ciel nous bénit. Quelle bénédiction peut quitter le troisième ciel? Non, pour autant passer par le deuxième ciel avant d'arriver sur la terre. Et ils avaient compris. Ils sont partis se stationner au deuxième ciel. Ils sont là au deuxième ciel comme des dictateurs visibles que nous ne voyons pas. Quand tu pries Dieu, une bénédiction quitte le ciel. Hors du trône de Dieu, commence à descendre. Au deuxième ciel, les dictateurs contrôlent le ciel, le deuxième. Ils bloquent cela. Ils disent que ça ne va pas passer parce qu'ils sont des dictateurs. Ils veulent régir notre monde. Ils se tiennent entre le ciel et la terre. Les hommes sont sur la terre. Ils ont prié. Les prières sont parties. Dieu a entendu cela. Dieu a envoyé. Et quand ça arrive au deuxième ciel, ils disent nous sommes des dictateurs. Nous ne laisserons pas que cela tombe sur la terre. Et il y a blocage. Certaines personnes ici, Dieu vous a déjà exaucé. Dieu vous a déjà donné. Les choses ne se trouvent plus au troisième ciel. Mais les choses sont bloquées au deuxième ciel. Déclare aujourd'hui dans le nom de Jésus. C'est qui est toi qui est bloqué au deuxième ciel. Dans le nom de Jésus Christ. Aujourd'hui nous allons libérer cela. J'ai dit que nous libérerons cela. Des fois tu pries. Ils sont que Dieu t'a exaucé. Ils sont que la bénédiction arrive. Tu l'as dit même aux gens. Cette année ne se terminera pas. Si je ne me marie pas, je ne suis pas un enfant de Dieu. Tu les proclames même. Parce que tu les sens plus profond de toi. La chose n'arrive pas. Dieu ne t'avait pas menti. L'esprit avait reçu cela. Le problème c'est que les dictateurs, ils veulent régir notre monde. Ils se trouvent entre le ciel et la terre. Ils ont dit que ça ne passera pas. Disons aujourd'hui, dans le nom de Jésus, ce qui appartient à Zoé, ce qui appartient à quelqu'un qui est ici, ça quittera le deuxième ciel. Ça viendra vers nous dans le nom de Jésus. Si tu crois, dis Amen cette fois. Comment?